Il y a le comité ou la conférence ou le club de Bilderberg, dirigé par cette Madame Crutzen. Alors, Madame Crutzen, elle n'existe pas, c'est une invention, c'est romanesque. Par contre, ce fameux groupe de Bilderberg, il existe. Il a été créé en 1954 par, alors j'ai plein de notes, par David Rockefeller et puis une espèce de prince des Pays-Bas, prince Bernard des Pays-Bas. Donc il existe, disons, il est essentiellement une sorte d'axe transatlantique qui réunit des gens. Alors il y a de tout, il y a de la politique, il y a de l'économie, il y a de la finance, il y a de l'armée, des services secrets, des médias. Et ils se réunissent une fois par an. À côté, Davos, c'est un peu l'amicale des boulistes, quoi. C'est les guignols à Davos. Bilderberg, on est dans le disque dur des maîtres du monde. Oui, je pense vraiment. Je pense vraiment, Davos, c'est une réunion publique, il y a beaucoup de journalistes, il y a des débats, il y a quelques séances privées. Davos, tout se joue dans des couloirs et dans des séances qui sont fermées à la presse. Ouais. Mais le Bilderberg, c'est vraiment, effectivement, endroit tenu secret, gardé par les patrouilles de l'OTAN quand même. Aucun journaliste n'a le droit d'y approcher. Mais c'est génial, des mecs arrivent en hélicoptère noir où il n'y a pas d'inscription, se posent, on les met dans des voitures noires, on les amène. Quelques photographes un peu rusés ou conspirationnistes font des photos. Il y a 400 types dans le monde qui suivent ce truc, qui ont essayé de s'y en approcher. Alors après, il y a toutes les théories de conspiration dans tous les sens qui s'y mettent. Moi, ce qui m'intéressait de savoir, c'est pourquoi on ne parle jamais du Bilderberg. Mais parce qu'il y a les gens les plus importants du monde qui se réunissent et rien ne filtre. Donc ça pose des tas de questions. Est-ce que c'est vraiment démocratique d'organiser? Alors j'avais posé, je me souviens très bien, des questions à Devedjian qui avait participé à une telle conférence. Il disait mais non, on dit des choses très importantes, mais on n'a pas à en faire état. Mais tout ça n'est pas... Je lui disais évidemment, je vois la main occulte qui est derrière. Il me disait mais non, il ne faut pas dire ça. Pourtant, de vraies décisions y sont prises. Il y a même des trucs cocasses. La dernière réunion de Bilderberg, c'était en Grèce, près d'Athènes, dans un superbe palace, l'Astier Palace, où ils étaient tous là. Et donc, ils invitent à peu près quoi, 150 personnes. 150 personnes. Mais à la tête, il y a une dizaine de membres. Et ces gens-là, alors, ils font quoi? Je pense qu'ils choisissent les thèmes, ils choisissent qui vient l'année prochaine, et puis ils font passer, une fois que le Bilderberg a eu lieu, j'imagine qu'ils font passer les décisions, les tendances qui ont été évoquées. Mais ces tendances, tu veux dire, elles influencent jusqu'au G8 ou au G20? Écoutez, moi je me pose beaucoup de questions sur ce Bilderberg. Ce que j'aimerais, c'est qu'effectivement, ça devienne un lieu de... Enfin, qu'on discute de ce qui s'y passe. J'aimerais savoir. J'ai pas enquêté sur les liens directs entre Bilderberg et relations internationales l'année dernière. Je trouve qu'il y a un certain nombre de coïncidences qui sont quand même tout à fait inquiétantes. Voilà. Le prochain sommet va se tenir en Espagne. En Espagne, donc... C'est très mauvais signe pour nos amis espagnols. S'ils nous regardent, en général, ils viennent repérer le terrain. Il est dit que ça va être... Ça a fuité, hein. Maintenant, ils sont capables de changer au dernier moment, etc. Ouais. Mais en attendant, quand ils se réunissent, il n'y a pas de manifestation d'altermondialistes. C'est gardé par l'OTAN. C'est armé. Il y a l'armée qui est là. C'est absolument extraordinaire.